Bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Vinted. Donc, des pop, vous me connaissez hein, maintenant. Je pense que vous savez. Des pop. Et du scrapbooking. Et un t-shirt. Donc déjà, le t-shirt que je vais avoir, ce que je vous fais voir, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Donc c'est Percy, le chien de Pocahontas, pas le chien de Pocahontas, mais du méchant dans Pocahontas, Percy, et il y a marqué "We outside, you're ready, me here coming". Désolée pour mon anglais. Voilà, on le voit un peu. Voilà. Donc très contente de ce t-shirt là, et ça m'a coûté 2 ou 3 euros même pas. Ensuite, bon, on va passer au pop. Donc de Frozen 2, il a Yungana, la 589. Voilà, je vous fais voir la boîte déjà. La boîte était à peu près nickel sauf là, mais bon, je pense qu'elle a enlevé le prix. Je sais pas. Donc voilà. Je vous fais voir. Petite Anna. Bon, il y a le socle, hein, mais là je ne l'ai pas sorti. Je vais le sortir de toute façon. Voilà. Petite Anna, petite. Oh, ça c'est rien. Nettoie. Je vais lui passer un petit coup de... Voilà, on va lui mettre son socle après. Donc voilà la petite Anna. Ensuite, pour continuer aussi dans Frozen 2, la exclusive Primark. Donc ça, Anna, elle était à 7 ou 8 euros. Celle-là aussi, je crois. Et pareil. Donc, c'est la exclusive Primark. Elle est trop belle, celle-là. Voilà. C'est avec le petit diamant d'eau. Elle est trop belle, vraiment trop belle, quoi. C'est avec sa robe un peu en transparence, comme ça, là. Voilà. Donc, c'est Elsa. C'est la 594. Voilà. Très contente. Donc hop, hop, la boîte. Voilà. Et un petit Christophe. Toujours Frozen 2. Voilà. Avec son petit banjo, petite guitare. Très bien fait aussi. Pas de soucis. Très bien emballé. Franchement, j'ai rien à redire au niveau de l'emballage, comment c'était fait et tout. J'ai même eu une petite carte de la dame, d'où elle venait. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà. Et ça c'était 7 euros. 7 ou 8 euros. Ouais, Christophe. Voilà. Petit Christophe comme ça. Trop contente. Je vais rejoindre ma collection Reine des Neiges. Donc moi, ce qui me manquera dans cette collection là, ça serait la Earth Giant à 587. La 586 Mathias et la 585 Sven. Voilà, les trois qui sont au-dessus du gros bonhomme. Voilà, en pierre. Voilà pour ça. Donc ça, c'était pour les pop. Je suis trop contente, ça va me refaire ma collection. Et ensuite, en scrap, j'ai commandé sur Vinted. Ça m'a coûté 15 euros, je crois, même pas, je sais plus. La Happy Jig, ou 13, je sais plus exactement. Donc, c'est la Happy Jig de chez We Are Memory Keeper. Donc, il y a les fils, tout ça. Donc, c'était bien emballé, hein. C'est moi qui l'ai un peu déchiré. Voilà, c'était emballé dans une enveloppe qui protégeait tout. Donc, voilà, avec le petit fascicule pour faire les cactus, la feuille, la tasse, la petite baguette magique, d'autres choses, des papillons, des chiens. En mots, il y a le cute, il y a hello, love, thanks, happy. Voilà. Donc ça, le fil, du coup, il y en a trois. Et dedans, ça se présente comme ceci. Alors, ça se présente déjà dans un plateau comme ça.
puis il y a des chiffres, il y a des trucs. Et là, voilà. J'arrive à ouvrir. J'ai plus d'ongles. Oh, j'ai plus d'ongles. J'ai plus d'ongles. Aïe, je viens de me rentrer le truc. Non, non, faut pas que je l'abîme. Allez. Et là, voilà. En gros, comment ça se présente. Voilà. Donc, il y a la pince qui est là. Des tout petits bitonios, d'autres bitonios et des gros gros. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Voilà, les gros gros. Donc, voilà, à tester. Mais je suis très contente. Donc voilà, en vintage, c'est tout pour l'instant, parce que j'attends un autre lot de scrap, mais ça sera, on fera plus pour février, parce que là, voilà. Donc voilà, très contente de tous mes achats vintage. Donc, je vous mettrai mon vintage quand même en barre d'infos, et voilà. Donc je vous dis, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!